les 420. The game is here. Nom. Gandiga. Prénom. Diana. Blaze. Didi. Âge. 34 ans. Profession. Agent de développement. Ville. Paris. Club. Franconville. Poste. Arrière. Playground. Clicli. Actu. All-Star Game Val d'Oise le 23 juin prochain à Argenteuil. Nous avons le plaisir et l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Diana Gandega. Et le mieux, c'est qu'elle se présente elle-même. Diana, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Diana, j'ai 34 ans, je suis basketteuse en National 2 actuellement à Franconville et ex-internationale malienne. À côté de ça, je suis aussi agent de développement au comité de basketball du Val d'Oise, où j'organise depuis 7 ans le All-Star Game Val d'Oise, qui aura lieu cette année, le 23 juin, à Argenteuil. Après, j'ai aussi d'autres casquettes, un peu plus dans le bénévolat. Je suis membre de l'association Ethnicité qui œuvre pour rénover des écoles en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal. Et aussi à Peace and Sport, qui est une association qui a été créée par le prince Albert de Monaco, qui réunit plusieurs Olympiens pour se rencontrer, récolter des fonds. Et l'objectif, c'est de pouvoir s'entraider et développer la paix dans le monde grâce au sport. Merci. Diana, le basket et toi, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours sportif, ton club actuel et ton poste? Alors, je suis arrière, poste 2-1, à Franconville. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Sauf que j'ai commencé le basket hyper tard, à 14 ans. Pas du tout dans les clubs, plutôt en streetball. Donc, je suis vraiment issu de Paris Streetball à Porte de Clignancourt où j'ai été formé. C'est vraiment mon centre de formation. Après, j'ai quand même été en club, mais j'ai monté les échelons assez rapidement. J'ai commencé vraiment au plus bas département pour après 8 années en National 2. J'ai quitté l'Île-de-France pour aller à Chalon pour commencer un peu à toucher un peu le haut niveau. Strasbourg, j'ai joué pendant 2 ans en Ligue 2, donc c'est la Pro B masculine. Et là, j'ai été repéré pour jouer en équipe nationale du Mali. Tout s'est enchaîné, 2008, Jeux Olympiques de Pékin. 2009, Coupe d'Afrique, médaillé. 2010, Championnat du Monde en République Tchèque. 2011, médaillé encore en Coupe d'Afrique. 2012, tournoi pré-olympique pour se qualifier aux JO de Londres. 2013, médaillé encore. 2015, championne des Jeux africains, médaillé d'or. Et là, j'ai déposé les chaussures. J'ai dit, c'est bon, j'ai assez fait de basket au niveau international. Diana, ton background et ton pedigree sont très impressionnants. Moi, je vais te poser quelques questions par rapport au basket. Et voilà, j'attends des petites réponses courtes, ça va être très fluide. Quel est ton joueur de basket favori qui t'a le plus inspiré pendant toutes ces années? Sans hésiter, Allen Iverson. C'est un joueur qui a marqué son époque, qui arrivait à faire des choses incroyables sur le terrain en faisant moins d'1m80 et ça correspondait un peu au jeu que j'avais à l'époque. Du coup, ton move favori? Le crossover. Évidemment. Ton équipe NBA favorite et ton pronostic pour cette année? Alors, mon équipe favorite, c'est Cleveland. Ça reste Cleveland, même s'ils sont en difficulté. Mais tant que LeBron est là-bas, ça restera Cleveland. Même si pour avoir le titre cette année, ça risque d'être compliqué. Ton film basket préféré? Love and Basketball. Ton son pour jouer au basket, en playground ou ailleurs? Alors j'ai pas de son, il y a un type de son, c'est les hip-hop hardcore. Et ça, sur un terrain, ça fonctionne toujours. Très bien. Nous sommes ici pour parler du tournoi PB420 édition 2018 qui va se dérouler cette année à Champs-sur-Marne les 21 et 22 juillet. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais la page Facebook? Voilà, oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu sois présente ici? Alors je connais l'événement grâce à un ami qui l'a gagné l'année dernière, Laurent. Donc j'aime la page, j'ai suivi un peu tout ce que vous faisiez. Et ça a l'air vraiment d'être lourd, 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 lourd. Donc cette année, moi je te présente, ça c'est sûr et certain. C'est carré, c'est professionnel. J'ai vu tout ce qui est fait, les vidéos, les photos, jusqu'à aujourd'hui l'interview que vous faites. Et c'est vraiment un événement, je pense, qu'il ne fera pas louper cette année. Merci Diana. Quel est le message que tu aimerais que les gens retiennent de cette interview? Alors justement, rendez-vous le 21 et 22 juillet prochain à Champs-sur-Marne
pour le prochain tournoi du PB 420. On vous attend nombreux, inscrivez-vous en masse dès maintenant. Vous allez sur la page, sur tous les réseaux, tout est déjà en place. Et même si vous venez juste pour regarder, ça va être du long, ça c'est clair. En tout cas, moi j'y serai. Pour conclure, Diana, si je te dis PB 420, tu me dis ? The game is here. Merci beaucoup, Diana. Merci à vous.